Parce que hier, c'est l'action de grâce, cours psycho-humaniste d'intervention. J'attends Pascal, puis on s'en va au cours. On s'en va au cours, là. Je suis à l'école secondaire, le Carrefour. Parce que dans le cadre de mon travail, à la Maison des jeunes, on faisait un genre de petite job de recrutement. C'était cool de se retrouver dans une école secondaire après 40 ans que je suis plus dans une école secondaire. Les jeunes te donnaient 43 ans, puis moi, ils m'en donnaient 12. Mais j'ai 31. Ouais. Ah, ce matin, on est dans une école primaire, c'était vraiment cool aussi. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Sauf que personne ne riait tes jokes, là, mais... ouais, hein, faut que j'adapte mon humour à la jeunesse, parce que... Ben, la jeune jeunesse. Ça marchait vraiment pas avec ça eux. Ça marchait pas. Et il aurait pu avoir des bruits de criquets, ça aurait été vraiment... Ouais, ça aurait été parfait, là. Fait que tout le monde est rentré dans leur classe. Fait que là, on est dans l'école là, en train de... On par les surveillants, sont comme... C'est en train de se filmer, genre, dans... Oh! C'est le signal, ça veut dire OK. Allez-vous-en. Ça veut dire t'es. J'avais Étienne. Allô! On s'en va à l'UQAM parce qu'on prépare une vidéo sur le study in qui est à l'UQAM en ce moment. C'est comme des journalistes. Ouais. Le bon là, il est que ça. Bernard. Ben non, Bernard. Bernard. On attend le métro. J'étais au travail, j'ai appelé Étienne, je voulais qu'il m'amène un rasoir pour couper ma moustache. Mais j'ai comme un spot là, plus long. Et là, on arrive là, à l'UQAM. Ouais, mais on sait pas là. Il y a des gens qui disent ah. Il reste 7 minutes pour s'inscrire. Il reste 7 minutes pour arriver. Du VIP, ça, quoi? On a fini. C'était, pour vrai, c'était parfait. C'était vraiment cool. On a bien ri. Bien ri. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un chariot qui passe. Ouais. On a réussi à avoir des points de personnes, mais vraiment intéressants, genre des points techniques qu'on n'avait pas pensé. Mais il y a deux gars qui nous ont dit ah, pas capable de sortir. Puis, c'est pas. C'est parce qu'Alex, on était assis à une table comme si on était ceux qui s'occupaient du studio. Ils ont voulu s'adresser à nous autres en nous disant voyons dedans. On sait pas plus quoi faire. Donc. Ils sont pas des couilles. Oh, aujourd'hui, vendredi le quoi? Pas le 16. Ah, vendredi 13. Aujourd'hui, c'est vendredi 13, c'est vrai. Donc, j'avais mon cours de créativité avec Pierre Plante. Aujourd'hui, on a fait du pastel sec. C'est la première fois que je faisais du pastel sec. C'est vraiment cool. C'est des Faber-Castell. Je les ai achetés au magasin d'art de l'UQAM. Je vais vous montrer mes couleurs préférées. Le mauve, le rose et le green. On avait une feuille d'à peu près 6 pieds de long, puis quand même assez large. Il fallait prendre une position sur la feuille. Il fallait faire tracer la forme de notre corps sur la feuille. Et puis, il fallait créer, avec du pastel sec, quelque chose à partir de ça. Tout le monde, on accrochait nos œuvres partout dans la classe. Et puis, tout le monde passait à chacun des œuvres des autres pour donner un titre à l'œuvre. Et pas donner un titre genre « oh, qu'est-ce que l'artiste essaye de dire? » Mais plus, qu'est-ce que ça évoque en nous? Voici mon œuvre, je vais vous lire quelques titres que j'ai reçus. Scène de meurtre. Meurtre. Meurtre et mystère. Enlève ton masque. L'aspirateur. Arracher son masque. Derrière chaque masque se cache la vérité. Les regards me transpercent l'âme. Il y a une œuvre dans ma classe que j'aimais particulièrement, c'est celle de Geneviève. Malheureusement, je n'y ai pas donné de titre. Je crois que c'est le seul que j'ai pas eu le temps de nommer, alors je vais le faire maintenant. Tête. Fraîcheur de la vie. OK, on se voit la semaine prochaine. Bye! On n'est pas fait pour être nocturne en tant qu'être humain.